Salut tout le monde, c'est Ginky encore une fois. Je fais une petite vidéo pour un sujet qui peut sembler bizarre à faire pour les plus anciens sur le jeu et qui peut être très utile pour les nouveaux qui forcément découvrent le jeu au fur et à mesure et qui connaissent pas tout. Alors, pour ceux qui sont... Ça va plus être pour ceux qui sont abonnés parce que ce sera beaucoup plus intéressant à partir de ce moment-là. Après, si vous n'êtes pas abonné, ce sera toujours un plus. Ça pourra toujours vous expliquer un peu déjà l'intérêt d'être abonné dans un premier temps et dans un deuxième temps, pourquoi vous n'y avez pas accès. Et si vous voulez y avoir accès, il y a un autre moyen que l'abonnement. Mais c'est sans doute moins intéressant que si vous abonnez. Enfin bref, du coup le sujet c'est la base, les bases du DC Universe, les quêtes pour avoir sa propre base, sa frappe orbitale, ses largages de ravitaillement, ses acolytes, son sidekick, comment s'appelle cette merde? Bon, je crois que c'est acolyte aussi, enfin bref, voilà. Donc ça va être tout simplement une vidéo pour vous expliquer comment avoir ça, comment les améliorer, comment y avoir accès, tout ça, tout ça, tout ça, comment ça marche. Alors, j'ai un petit niveau, c'est fait exprès justement, c'est pour faire la vidéo tout simplement, sinon je pouvais pas. Donc quand vous êtes niveau 9, vous avez une quête qui s'appelle propriété. Bon là forcément je l'ai pas, parce que c'est trop tard. Mais bref, vous avez une quête qui s'appelle propriété, c'est normalement une quête bleue ou violette, avec en récompense ce petit document qui est juste là, le document acte. Donc en fait, vous avez juste à l'accepter, ça va pas vous téléporter ni rien, ça va juste vous donner cet acte qui sera directement mis dans votre inventaire. Et en gros, quand vous cliquez dessus, ça va vous proposer, vous allez voir ça. Sur le coup, ça vous dit rien, vous comprenez pas, vous êtes en mode c'est bien. Mais si vous descendez directement avec flèche du bas ou votre souris, si vous êtes sur PC, j'imagine, vous avez la liste de toutes les propriétés que vous pouvez avoir sur le jeu directement, que vous pouvez acheter. Donc sur le principe, elles sont toutes entre 1075 et 700, voire même 500, ou voilà. Mais il y en a d'autres qui s'achètent avec des marques de la source, donc je vous déconseille de faire ça, ça sert à rien. C'est juste, c'est des endroits symboliques du jeu. Par exemple, là, il y a le toit du centre commercial de Caen. As de trèfle, ainsi de suite, et encore vous pouvez aussi aller à Gotham où il y aura par exemple Arkham, je crois, l'Arkham Asylum, où vous pouvez aller habiter, tout ça, tout ça. Donc en soi, ça n'a pas d'intérêt direct, hein, voilà, grenier de l'asile Arkham, ça n'a pas d'intérêt, c'est juste vraiment pour faire le cassos, quoi. Donc vous avez le droit d'être un cassos ou pas, mais bon, dépenser 25 marques, je pense qu'on a mieux à faire, et je vous expliquerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Pourquoi vous avez rien mis à faire? Donc restez au courant quoi. Enfin bref, vous choisissez une propriété, donc je vous conseille de prendre la moins chère, hein, on s'en fout. De manière à ce stade du jeu, niveau 9, voilà, l'argent j'en ai 900, je pense pas que vous aurez plus que moi. Donc bref, vous faites créer ta base. Il vous propose de vous téléporter maintenant ou non. Moi, pour l'intérêt de la vidéo directement, je vais faire oui, parce que le but c'est de vous présenter la base tout simplement. Donc vous rentrez dedans. Si vous le voulez maintenant, ou au pire vous pourrez rentrer plus tard, vous direz, je vais vous montrer lui que je serai là. Si vous voulez y aller autrement, donc soit vous la cherchez directement sur la carte, mais bon, vous allez prendre 500 ans à trouver si vous vous souvenez plus où c'était. Soit vous allez sur la carte, vous faites menu de téléportation, et vous avez directement tout en bas, sauf que je suis dedans, donc forcément ça y est pas, mais normalement vous avez tout en bas ma base ou base numéro 1 selon le nom que vous avez mis. Bref. Voilà, donc ça c'est votre base de base, bref, vous avez compris. Quand vous la choisissiez, vous pouvez aussi mettre plusieurs styles, hein. Je ferai un écran pour vous montrer, mais bref, il y avait divers styles, soit vous les achetez directement dans la boutique, soit vous avez les deux de base, vous avez gothique et moderne, un truc comme ça. Donc vous choisissez entre les deux, là c'est gothique parce que j'ai pas fait attention et vu que je m'en fous aussi, ça... Voilà. Parce que là ça ressemble à un truc d'église, mais bon, c'est un peu dégueulasse, mais moi je m'en fous un peu. Je préfère faire attention à la ligue. À la base, tant qu'à faire. Donc bref, ça vous lance une petite cinématique, ça vous présente juste les 2-3 accessoires que vous aurez dedans. Là comme ça, moi j'ai jamais écouté la cinématique, donc ça a peut-être un nom, je le sais pas. Donc si vous voulez regarder, voilà, il y a écrit distributeur par exemple, c'est un distributeur. Voilà, comme ça au moins ça vous met les bases. Bref, une fois que vous avez accepté cette mission, vous allez directement retourner dans le menu des journal. Vous avez l'instance niveau 12, on est bien chez soi. Voilà, donc maintenant je l'ai. Une fois que tu es rentré dans ta base, que tu as avancé, que tu as eu la cinématique, tu peux poursuivre cette mission. Ça va te filer quelques objets que tu pourras placer directement dans ta base. Donc, globalement, c'est des objets niveau 3, donc tu n'en as pas grand chose à faire, mais bon, il est là. Bref, ensuite, ça te fait poursuivre la mission et qu'ils utilisent le panneau de contrôle, donc c'est directement ici. Ils te disent direct de passer en mode décoration. Hein. Je vais pas aller dans le journal à chaque fois, ils disent de passer en mode décoration. Donc voilà, tu as la flèche. Et tu peux directement, si tu vas sur un des petits cercles, tu appuies sur carré et tu peux directement passer un des trois objets qui t'ont filé. Donc par exemple, si je vais sur le sol, je peux placer une petite table. Si je vais sur le mur,
Tac, j'ai une petite horloge. Enfin bref, vous aurez compris, c'est pas très important. Pour où on en est, tu fais triangle pour quitter. Donc après, tu peux retourner dans le menu. T'as j'aime les lampes. T'acceptes. Tu retournes dans le menu. T'as ton armurerie qui peut être très utile. Mais globalement, pour que ce soit vraiment intéressant, faut mettre entre 5 et 10 euros pour avoir plusieurs armureries. Parce que quand t'en as qu'une, c'est pas utile du tout. Mais si t'en as plusieurs, en gros, l'armurerie te permet de sauvegarder une variante de ton inventaire, de ton style, de tes points de compétence, sans avoir à les reset. Par exemple, si t'as un DPS et un healer, tu peux faire ton arbre complet en DPS. Tu viens enregistrer dans l'armure numéro 1, tu vas reset tes points, tu fais ton arbre healer et tu vas re dans l'armurerie numéro 2, du coup que tu auras acheté, qui coûte 5 euros, je crois en soi, et tu sauvegardes le deuxième. Ton deuxième arbre de compétences, du coup, orienté sur le deuxième rôle, dans l'armurerie numéro 2. Et en gros, quand tu fais switch d'armurerie, tu pourras directement passer de ton truc complet healer à ton truc complet DPS. Ce qui fait que tu n'auras pas à reset tout le temps si tu aimes jouer les deux rôles ou autre. Donc, c'est très pratique ou très utile si tu joues deux rôles. Mais bon, après, faut être au niveau pour que ce soit plus intéressant qu'autre chose. Mais après, moi, je m'en sers pas parce que je sais que globalement, je joue qu'un seul rôle main, je joue pas les deux rôles. Mais si tu veux faire les deux rôles, tu peux, et dans ce cas, c'est très pratique d'avoir deux armureries. Donc après, bon, c'est 5 euros, mais bon, 5 euros au final sur un jeu, si tu joues beaucoup, c'est rien comparé à un Call of ou à un autre jeu où tu mets 60 balles, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Bref, tu places ton armurerie. Si tu veux poursuivre la mission, ça va te dire d'aller dans l'armurerie et de sauvegarder des trucs dans la mission, verrouiller, télécharger. Tu vas dessus, tu restes appuyé sur rond, pas sur carré, évidemment. Et il y a écrit enregistrer. Donc après ils vont te demander ce que tu veux enregistrer. Donc moi vu que je m'en fous, je fais menu, menu machin, je fais juste activer l'apparence. Voilà, comme ça me fout mon bot là, c'est l'apparence que j'ai. Mais c'est pas très important. Là c'est juste pour vous présenter vite fait l'armurerie. Mais encore une fois, du coup dans les menus, vous pouvez enregistrer. Donc menu d'enregistrement, activation, vous voyez, il y a les traits et les armements. Donc les traits c'est les points de compétence, armement c'est votre loadout. Après équipement c'est votre stuff, mais bon vu que vous changez en général souvent, pas très important. Limite, tu peux enregistrer l'apparence pour avoir une apparence pour ton rôle healer, une apparence pour ton rôle DPS, mais encore une fois, c'est pas très intéressant en soi. Si tu fais marquer, en gros, si tu fais marquer ton équipement, tu pourras plus le supprimer ou le vendre après parce qu'il sera en gros comme si tu l'avais mis en élément important pour que dès que tu switches dessus, ça te le garde directement enregistré. Donc en soi, moi je vous conseille de pas faire ça parce que ton équipement, forcément, il évolue au bout d'un moment, donc c'est pas très intéressant et ça va plus te casser les couilles qu'autre chose. Bref. On arrive dans la partie intéressante, en tout cas du moins pour moi, les générateurs et les autres trucs dans ce genre. Donc là par exemple, tu as le générateur, si tu restes appuyé dessus, donc là forcément si t'es pas abonné, t'y as pas accès. T'y as clairement pas accès si t'es pas abonné, donc le seul moyen d'y avoir accès c'est soit l'abonnement, soit tu vas dans la boutique, enfin le marché, peu importe. Voilà, tu vas dans, je crois que c'est augmentation, peut-être approvisionnement, on va voir ça de manière. Mais je crois que c'est augmentation. Tac. Tac. Bah clairement pas. Ça doit être dans approvisionnement. Tac, 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 tac. Faut juste que je trouve ça, non? Amélioration du coup. Voilà, t'as un système de repères. Là, il est accordé parce que je suis abonné, mais sinon c'est entre 10 et 5 euros. Je sais plus exactement. Pareil, tu peux aussi accéder à acheter juste ta ceinture utilitaire si tu veux. Mais bon, pareil en soi, c'est pas très intéressant. Autant être s'abonner, au moins t'auras accès à tout direct. Ouais, voilà. Donc une fois que tu as accès à ce générateur, tu vois, tu as tout ça. Donc tu as les améliorations dont je te parlais, tu as ton acolyte. L'acolyte en soi, il sert à quoi? C'est juste un pet qui va être là pour t'aider. Globalement, selon au niveau d'activation où il est, donc soit 5 marques, soit 20 marques, soit 7 marques, tu es obligé de toutes les acheter. Donc tu achètes les 5 marques, puis les 20, puis les 7. En gros, tu as 3 améliorations à faire. Donc une fois qu'il est amélioré au niveau max, ce qui est le plus intéressant, le pet, il va te donner quoi? Il va tanker les dégâts. Il peut te faire apparaître un bouclier sur toi. C'est pas toi qui le contrôle, il fait ça quand il en a envie. Donc ça peut être utile sur des boss. Il te redonne de la mana, il te redonne de la vie. Donc c'est assez intéressant. Mais après, il y a, en général, les gens préfèrent jouer avec leur renfort. C'est 3 personnes que tu fais apparaître et qui tabassent. Le genre, ça fait à peu près les mêmes dégâts au final quand il est full amélioré qu'une frappe orbitale, je pense à peu près. Et avec l'avantage qu'ils peuvent tanker des dégâts. Ça fera un peu moins de dégâts qu'une frappe orbitale, mais ça peut tanker des dégâts. Et un peu de protéger quoi, c'est clairement des appâts. Après il y a la frappe orbitale qui est une grosse frappe orbitale, hein, d'où le nom. C'est une frappe qui vient du ciel et qui fait masse dégâts. Plus tu l'améliores, plus il y aura de rayons et plus ça fera mal. Le largage de l'approvisionnement, au niveau 1, ça fait apparaître une bulle qui te régénère un peu de santé.
Niveau 2, ça régénère 2 bulles qui rapportent encore un peu plus de santé. Et niveau 3, ça fait, je crois, 9 bulles qui te régénèrent full santé et full mana. Sauf que du coup, ce largage de provisions, c'est utile pour toutes les personnes de ton groupe. Donc en raid pour 8 personnes, en 4 joueurs pour 4 personnes, etc. À l'instar d'un Soda Cola qui est juste unique à toi. Les modes d'équipement ensuite, c'est des pochettes d'amélioration. T'en as une que tu peux poser sur la tête, les mains, les pieds, le torse, les jambes, le dos, ton arme, ton cou, et je crois que c'est à peu près tout, et tes pieds aussi si je l'ai pas dit. Et ça t'apporte un petit bonus, ça peut être par exemple si tu utilises tel pouvoir, donc ça s'adapte à ton pouvoir forcément, si tu utilises telle compétence ou pouvoir, ça te redonne un peu de mana, ça claque un peu moins de mana, t'es plus vulnérable des interruptions, ainsi de suite. C'est assez pas mal, mais pareil, à privilégier. Soit tu le fais dès le départ, tu claques tout dedans, comme ça c'est fait à vie. Sauf le boost, lui, tous les 60 jours, il expire et t'as juste à le renouveler. Mais bon, 60 jours, t'as de quoi venir sur DC Universe, quoi. Donc soit tu claques tout d'un coup, soit tu mets bien tous tes artefacts, ce que je parlerai dans une prochaine vidéo qui est assez important, d'où réserver vos marques de source globalement pour ça. Soit tu le fais une fois que t'as fait tous tes artefacts, tu passes là-dessus, soit tu fais tout direct là-dedans et ensuite tu fais tes artefacts, comme ça t'es débarrassé. Bref, c'est un choix. Pour déjà pouvoir débloquer ces cellules, parce que même si tu as 10 marques, 5 marques, ainsi de suite, tu peux pas les acheter direct. Pour pouvoir les acheter direct, il faut que tu actives ces 3 cellules. Donc tu as juste à dépenser 1250 en soi, c'est strictement rien sur le jeu, hein. Tu as juste à les activer, tu vois, tu actives la première et là directement je peux acheter ces petites améliorations. Bon, j'ai pas les marques, mon perso est niveau 12, donc forcément je vais pas le faire, mais bref, tu peux le faire. Permission, c'est juste pour donner l'accès à des gens, pour rentrer dans ta base, déplacer des objets, ainsi de suite. Donc en soi, ça, c'est si tu joues avec des potes, tu peux le faire. Ensuite, si tu descends, il y a le truc de mode. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est le truc de mode. Donc c'est là justement où tu peux activer tes 3 modèles d'armurerie. Voilà, donc c'est ce que je passais. Voilà, c'est 5 euros ou 5 marques, enfin bref, 5 euros pour acheter ta deuxième armurerie. Donc voilà, il y a le modèle numéro 1, donc c'est ce que j'ai enregistré tout à l'heure. Et tu peux te faire un modèle numéro 2 avec une autre armurerie pour faire ton deuxième modèle, par exemple full heal ou full DPS, ainsi de suite. Donc pareil, les cellules sont en commun, mais il faut que tu actives les 3 cellules pour que ce soit valide. Vous avez peut-être rendu compte aussi, donc ça c'est la dernière phase assez importante sur la base, vous avez peut-être parfois débloqué des trucs, j'avais un abonné qui appelait ça comme ça, et pourquoi pas des clés USB à moitié que vous avez, il y en a des bleus, des jaunes, des rouges, et des bleus très clairs, ou des blanches. Bref, une fois que vous avez débloqué, il faut se rendre directement dans la base, améliorer vos cellules et vous pouvez les placer juste ici. Donc les bleus c'est santé et pouvoir, les jaunes c'est soutien, donc c'est soit revitalisation, soit restauration, donc c'est soit si t'es contrôleur, soit cellulaire. Et en dernière t'as attaque, donc ça va être pour la puissance ou la précision. Général, j'ai jamais su comment s'en servir. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, parce que quand tu débloques des trucs blancs, tu peux pas les mettre là-dedans. Donc je sais pas à quoi ça sert. Et les trucs d'affinité, c'est un autre truc à aller voir encore dans un autre vendeur, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc globalement vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la base. Juste pour finir, du coup, une fois que vous avez acheté toutes vos améliorations ici, les acolytes, la frappe orbitale, pour les récupérer, vous avez juste à aller voir le petit panneau ici et vous les récupérez directement, vos récompenses ici. Les cachettes de tripot, c'est pour modifier l'apparence directement de votre base. Genre si on fait passer en mode décoration. Si je fais menu des couleurs, bref, vous pouvez changer ici directement les couleurs. Donc si je veux la mettre en blanc, si je veux la mettre en bleu, etc. Je vais en mettre en violet. Hein. Pourquoi pas, on s'en fout, c'est sur mon passage mental, donc go. Vous faites sauvegarder et voilà, vous pouvez mettre un petit emblème, enfin bref, peu importe. Voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile, hein. Globalement, c'est vraiment un tuto pour les nouveaux, les débutants, etc. Mais ça peut toujours être très pratique. Bref, les prochaines vidéos sera soit sur la présentation du coup des nouveaux épisodes, soit sur des nouveaux pouvoirs. Donc là en cours, je dois faire munitions, céleste, atomique, gadget et encore un autre pouvoir, je sais plus lequel, mais et haut, je crois, un truc comme ça. Et après, normalement, je devrais avoir terminé pour la session 2020 jusque la nouvelle truc. Après, je ferai la vidéo des artefacts. Et normalement, ce sera à peu près bon. Après, ce sera des lives pour les feats, etc. Ou encore, je pourrais vous faire des présentations d'instances directement. Pour les non-abonnés, forcément, vous avez jamais vu certaines instances. Donc, je peux peut-être vous les présenter. Ça peut être intéressant.
Bref, c'était Genki, à plus pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas entre le like, le commentaire, tout ça, ça me fait plaisir. Bref, ciao tout le monde, c'était Genki, à plus.